Hello everyone, coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la même continuation de notre chemin sur le minimalisme, aujourd'hui je vais m'attaquer à notre bureau slash beauty room à mon mari et moi. On va faire ensemble le gros ménage de cette pièce et un grand désencombrement. Et en bonus, je vous ferai un room tour de la pièce au final, que vous puissiez voir le résultat de tout ce travail, de ce que ça a donné d'une pièce deux en un. J'ai déjà fait deux autres pièces de la maison que j'ai rendues minimal, la salle de bain et le salon. Donc si ça vous intéresse d'aller les regarder, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le petit tic qui s'affiche sur votre écran à votre droite. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par là, moi je m'appelle Lily, je suis maman au foyer de deux garçons et je vis en Angleterre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activez la cloche de notification, sans plus tarder, entrons dans la vidéo, à tout de suite. Et donc, voici à quoi ressemble notre bureau pour le moment. On dirait un vrai bazar. Ça, c'est l'espace de mon mari parce que comme il travaille de la maison, il a ses deux écrans et tout. En bas, il y a plein de choses, je sais pas trop du matériel, je sais pas trop. Ça, c'est mon peignoir parce que je travaille jusqu'à très tard hier. Ça, c'est les chaussettes de l'enfant. L'imprimante. Mes affaires, ouais, le miroir, oula, tout ceci, en fait tout ceci c'est la marchandise, c'est tout ce qu'il y a à vendre. J'ai déjà fait les photos et je suis déjà en train de mettre sur le site Vinted pour vendre, et parce que je n'ai nulle part où le mettre pour le moment, c'est pour ça qu'il est là, du moins parce que j'ai pas pris le temps d'arranger, donc on va arranger aujourd'hui. Et cette étagère Galaxy, voilà, j'ai encore vraiment quand même pas mal de choses là. Tout ça sont mes produits. Il y a beaucoup de box de produits dont j'ai fait les revues. Tout ça sont neufs. Et les box. Ouais, c'est plein. Tous ces box là, on va les ouvrir, les trier, les encombrer. Le but c'est vraiment de rendre cet espace vraiment minimaliste. Je sais pas comment je vais faire y arriver, mais je sais que c'est possible. Ces endroits là sont les espaces de mon mari et les nouveaux produits qu'on a achetés, qu'on a mis là parce que j'ai pas le temps de gérer. Le dessus ça va quand même pour le moment, mais le bas j'ai vraiment beaucoup à faire, beaucoup. Je crois que je vais d'abord commencer par ce côté-ci parce que celui de derrière est plus compliqué. Je vais commencer par ici, ranger, désencombrer, nettoyer au max. Oh, j'ai encore des choses là-bas en bas. Voilà, bon allez, on y va. Oh, ça c'est la lumière en fait. Surtout des fois quand mon mari filme aussi dans la pièce, il a besoin de ça, s'il a des réunions et tout et qu'il fait sombre, voilà, c'est mon softbox. Je vais d'abord commencer donc par débarrasser le côté de mon mari sur sa table. Je vais m'occuper à ranger tout ce qui est à ranger, à classer et bien ordonner. Ensuite, on va faire le nettoyage. Je tiens à m'excuser d'avance car aujourd'hui, malheureusement, je ne pourrais pas vous faire un voice-over complet sur toute la vidéo pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer maintenant, donc je m'en excuse. Par contre, mes vidéos sont toujours très descriptives, donc si vous continuez de regarder, vous verrez par vous-même. Mais je ferai quand même l'effort qu'aux endroits important, je vous explique certaines choses. Donc continuons juste de regarder la vidéo. Ensuite, maintenant, je vais essayer de débarrasser mon côté, enlever toutes les affaires et les ranger. Mon mari et moi, chacun de nous avons un sac dans lequel nous rangeons nos laptops et accessoires et tout. Donc ce qui fait que c'est facile d'avoir chacun son sac sous sa table.
ensuite on va continuer. Après avoir nettoyé la table, je vais maintenant m'atteler à désencombrer cette commode là, tiroir par tiroir. Vous verrez et on le fera ensemble. Le but des désencombrements aujourd'hui, c'est de pouvoir ranger et ne garder que le strict nécessaire. Et ce qui est à jeter, je mettrai à la poubelle, surtout si c'est expiré. Et ce qu'il faut vendre, je mettrai sur le côté. Je tiens à mentionner que moi, avant d'être maman au foyer sur YouTube, je suis d'abord une maman blogueuse. Donc, je faisais d'abord du blogging beauté. Donc, je fais des revues de make-up et soins visage, ce qui explique la quantité de maquillage et tout, comme vous verrez dans la suite dans cette vidéo. Donc je vais faire des tris dans mes fards à paupières, des palettes, de mes blushs, des fards à jour, mes highlighters. Je ferai les tris vraiment, je ne garderai que le strict minimum. Du moins, je ne garderai que le nécessaire et surtout les produits aussi que je n'ai pas encore fait des revues. Je vous montrerai bien après avoir proprement trié ce que j'en ferai, ce que j'ai pu enlever. Donc après avoir fini avec la commode à tiroir, je vais maintenant m'atteler à désencombrer box par box notre grand Galaxy. Ça c'est la partie la plus compliquée car j'avais énormément de choses là-dessus, surtout ma part et pour mon mari. Et le but c'est vraiment que la vue de ce Galaxy soit fraîche, libre, pas encombrée. Juste le strict minimum. Donc allons-y ensemble, nettoyons, débarrassons, trions. J'espère que ma vidéo va vous motiver au max à aller faire votre désencombrement, trier. Même si vous n'êtes pas minimaliste, ce n'est pas grave. J'espère au moins que cette vidéo vous motivera à faire du rangement. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez surtout pas à me la laisser dans la barre de commentaires. Je ferai l'effort de vous répondre le plus tôt que possible. Même si je réponds en retard, je vous répondrai au jour, je vous promets. Mon but ici à ce niveau, c'était de pouvoir désencombrer ces deux organisateurs de maquillage et n'en garder qu'un seul. Donc je vais faire un tri, mais vraiment pas possible. Tout faire pour garder qu'un seul, qu'un seul organisateur. Vous verrez par vous-même comment est-ce que j'ai réussi.
Et là, je vous présente les box de la marque Look Fantastic. Ce sont des box d'abonnement mensuel que vous pouvez prendre pour recevoir chaque mois un box dans lequel vous aurez une sélection de produits, mais vraiment de bonne qualité, beaucoup de grandes marques, des produits de make-up, de soins visage, de cheveux aussi. Le box en général, la valeur fait toujours dans les taux de 60€, 55€. Mais si vous prenez des abonnements à partir de 3 mois, 6 mois et tout, vous paierez nettement moins, genre à partir de 15€. Et si vous utilisez mon code en plus que je vous ai mis sur l'écran, NellyGBB, vous recevrez encore 10% extra sur votre souscription. Donc n'hésitez surtout pas, allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Si vous aimez bien les souscriptions qui ont de la valeur, voilà, je vous laisserai le lien dans la barre de description si ça vous intéresse, bien entendu. Pour ces deux prochains boxes-ci que je suis en train d'enlever, j'avais un gros travail vraiment à faire car dans ces boxes-là, il y avait plein de choses, genre des fards à paupières, des fards à jour, des fixateurs et consorts dont je vais vraiment trier au maximum et désencombrer et enlever beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Je vais vous montrer un peu l'état de la chambre. J'ai dit la chambre, l'état du bureau. Après tous les tris que j'ai fait. Ceci, ce sont des cartons recyclés, donc ça va à la poubelle. Ces deux boxes-ci sont déjà bien, ça va. J'ai déjà bien trié, je vous montrerai après. Ceci, ce sont des lumières que je vais garder. Ce sont les lumières Sensor Light. Qu'on va mettre en vente. Ce sont des ampoules Smart Wi-Fi Bulb. Ça, c'est pour me débarrasser. Là, ce sont des agendas, journaux. J'ai enfin bien trié ces deux boxes, comme vous pouvez voir. Maintenant, dans le box aussi, c'est tous les essentiels, genre tous les câbles nécessaires, tous différents types de câbles dont on a besoin, avec des rallonges et quelques lumières. Ici, j'ai mis juste mon carton de ma caméra. Ça, c'est un paquet de papier format. Voilà, c'est tout ce qu'il y aura dans ce box-ci pour le moment. Voilà, voilà, voilà. Tout ceci, c'est ce qui a recyclé tout. Voilà. Et ça, tout cela va à la poubelle avant que quelqu'un vienne me dire que c'est du gâchis. Non, c'est pas du gâchis. Ce sont des choses à jeter qui ne sont plus bien pour vendre ni à offrir. Voilà. Tout ce qu'il y a à vendre, tout ceci est neuf, ce sont des produits neufs. Quand je mettrai à vendre sur mon Vinted ou mon Facebook, je vous ferai savoir. Ça, ce sont des PIA dans des parcelles, dans des produits que j'ai reçus pour des revues. Pour
continuer avec le ménage, je vais maintenant passer l'aspirateur sur le sol, sur le tapis, je veux dire, bien aspirer la saleté avant de le ranger. J'aime beaucoup mon aspirateur en main. Je suis sûre que la majorité de vous avait un aspirateur en main. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours essayer de guetter celui que j'ai. Il est très pratique et aussi moins cher quand même. Et maintenant, pour nettoyer ma chaise en cuir, j'avais déjà partagé l'astuce dans mes anciennes vidéos. J'utilise tout simplement de l'eau, du vinaigre blanc et aussi un petit peu d'huile d'olive. Et là maintenant, je vous montre ma petite couverture d'hiver que je mets sur mes pieds quand je suis assise dans le bureau pour éditer. Je l'avais achetée sur Amazon, c'est super joli, super pratique et très doux aussi. Si jamais vous voulez avoir quelque chose comme ça. Donc, au final, voici à quoi ressemble notre petit bureau simple, vraiment minimaliste, pas trop de choses. Au départ, quand on avait refait ce bureau, on comptait mettre un ou deux tableaux là. Mais bon, pour le moment, on a décidé de le laisser comme ça à cause de la qualité des murs qu'on a ici en haut. Je vais réfléchir dans le futur, mais comme on a dit, on veut faire simple et pas trop compliqué. Même pour l'ampoule, je n'ai encore rien trouvé à mettre là-dessus, donc ça va rester comme ça. C'est une ampoule smart, ça change de lumière et tout. Comme vous avez observé, là, c'est l'espace de mon mari. Comme il travaille de la maison, il a ses deux écrans. Et puis, des fois, il a aussi son laptop qui est là. Vu qu'il emballe les enfants, donc il a son laptop. On a l'imprimante ici. Ici, c'est mon espace. C'est un beauty room slash bureau, donc mon côté, le côté de mon chéri. J'ai mon petit miroir pour quand je veux me maquiller et tout. Le petit ventilateur dont j'ai besoin pendant le maquillage. Et puis, c'est une petite lampe aussi, genre petit miroir au même moment. Attendez, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ouais, c'est une lampe. Et je peux remonter. J'augmente l'intensité. Et puis, c'est aussi un miroir. Ouais, voilà. Je vous mettrai les liens là-bas à la description si vous voulez acheter quelque chose comme ça pour votre petit beauty room. Donc, quand je vais éditer les vidéos, je viens m'asseoir ici. Quand je veux maquiller, je viens m'asseoir là. Et j'ai arrangé le bureau de telle en sorte que dans ce petit nam, c'est toujours quelque chose qui vient d'IKEA et tout. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai vraiment désencombré. Donc, le premier tiroir-ci, on a ce qu'on dit en anglais général beads and bobs, dans un petit peu de quelques les choses en random, genre les têtes des chargeurs, les trucs pour nos bagues, ce sont des petits boîtiers en bois pour nos alliances. Ça, c'est genre un médicament pour les maux de tête, le paracétamol. Quelques petits papiers et documents. Ça, c'est pour mes lèvres. Il fait froid en ce moment, donc on souffre des lèvres sèches. Ça, c'est un scotch, une souris. Voilà. Et puis, ça, c'est un éventail. Voilà, c'est tout. Ah non, il y a aussi quelque chose au fond là. Une crème à main. Voilà. C'est une crème à main de la marque Balmain. Elle est vegan. Comme je nettoie beaucoup, j'ai les mains toujours sèches et tout. Donc j'essaie d'hydrater. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai aussi beaucoup désencombré ici. Ici sont des fards à jour. Tout ce qui est highlight, un contour. Voilà. Ça, c'est en fait, c'est nécessaire pour le maquillage, pour ceux qui aiment se maquiller. Moi, je faisais beaucoup de make-up. Je faisais beaucoup de revues pour les compagnies et tout. Des make-up colorés et tout. Le style que j'aime. Là sont les éponges et tout. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Instagram, je vous mettrai le lien dans la barre de description que vous allez regarder. Et ici, ce sont mes fossiles. Hein. Voilà, tout simplement. Et ici en bas, vraiment, c'est les choses random. C'est le genre de tiroir. On a besoin d'un petit tiroir pour le fourre-tout. Mais je pense que ici, j'ai mis, voilà, des documents. Ça, c'est l'enveloppe dans laquelle... on dit l'enveloppe. Ça, c'est l'enveloppe dans laquelle je mets les reçus. Papier format A4. C'est tout. Voilà, voilà. Vous voyez ce coin-là. On avait une plante ici avant. Je l'ai mis en bas, côté de la salle à manger, parce que ça fait mieux là-bas. Et mon chéri aime bien cette plante chaque fois qu'il filme en bas. Et ce coin ici, il est vide parce que j'ai enlevé la marchandise. Je compte bien ranger la marchandise. Je vais mettre en ligne et regarder si pour le moment, en attendant de bien ranger le petit storage que j'ai au couloir. Et voilà mon joli Kallax. Je l'ai
vraiment désencombré. Donc ici en haut, on n'a plus trop de choses. On a juste nos deux plantes là. Elles sont des sommes fausses plantes. Hein. Et ça, c'est un oil burner. C'est pour la senteur. Je mets une petite bougie à l'intérieur et une huile essentielle là pour que ça sente bon. Et on essaie de les garder ici presque très vivement. Simple, mon mari aime quand c'est comme ça. Donc je compte chercher un petit joli vase pour mettre là. Rien de compliqué. Avant, j'avais deux comme ça. Mon but, c'est de garder un seul. Donc au final, voilà, un seul. Mon seul petit organisateur là, ce sont tous mes lipsticks, mes rouges à lèvres. La majorité sont neufs. On dit un rouge à lèvres, oui, la majorité sont neufs. Je compte vendre une bonne partie plus tard. Je verrai, j'ai pas le temps de gérer ça pour le moment. C'est pour ça que je laissais ça là. J'ai trop à faire. Ça, ce sont les box de Pior. Si vous n'êtes pas encore, abonné à Look Fantastic, voilà, ce sont les box que vous recevez mensuellement. Vraiment très moins cher. Je crois, j'en ai 9 pans. Chaque membre recevait un box dans lequel vous avez des surprises à l'intérieur. Attendez, je vais vous montrer celui-ci. Voilà, celui-ci c'était le box de décembre. Voilà. Vous recevez des produits, soins visage, make-up et tout. J'ai un code même de discount pour vous. Si vous souscrivez, vous prenez une souscription. Voilà, vous recevez soit des sérums, plein de petites choses pour les soins visage, pour le make-up ou pour les cheveux. En général, la valeur est souvent pour 55 livres, genre plus de 60 euros, et vous l'avez pour genre 12 livres, quelque chose comme ça. Vraiment moins cher. Il suffit de prendre une souscription 12 mois. Je vous mettrai mon code si ça vous intéresse, bien entendu, c'est pas obligé. Donc je fais des revues pour eux, donc je reçois les box chaque mois. Là c'est vide, ici sont les livres de mon chéri. Voilà, il aime beaucoup lire livres d'entrepreneuriat, développement personnel, de commerce et tout. Et voilà, ici maintenant ce sont mes endroits make-up encore. Là dans ce box, ce sont mes pinceaux, la base pour le bon maquillage. À part les soins visage, de bons pinceaux. Voilà, ici en bas ce sont mes faux ongles. Ce qu'on appelle press on nail, comme ce que j'ai là aujourd'hui, c'est rapide à mettre. Voilà, 10-15 minutes c'est fait. Voilà, voilà, voilà. J'en recevais beaucoup avant, mais je n'en reçois plus. Donc quand je gère mon stock doucement. Ici, voilà. Maintenant, j'ai décidé dans ce box-ci, ce sont tous les produits que je dois faire la revue. Donc comme vous voyez là, ce sont des produits qui sont encore neufs, pas ouverts, donc je dois faire les revues. Les compagnies attendent. Donc j'ai beaucoup de boulot. Abonnez-vous sur ma chaîne Instagram pour avoir des revues de Pixi, de Glam Glow, de Skin. Il y a plein d'autres marques vegan et tout là. Soins visage et maquillage si ça vous intéresse. Et si j'ai vraiment réduit encore mes palettes, voilà, voici maintenant juste mes palettes fards à paupières que j'ai gardées. Et là-bas, ce qu'on appelle les setting sprays, les fixateurs et tout. Avant, j'avais les palettes comme ça, 5 fois plus. J'avais au moins 60 palettes. Maintenant, j'ai à peine 6 ou 7. Ici, ce sont tout ce qui est accessoires à friture que je vous épargnais. Et là, ce sont les petits sacs que j'ai rangés. Les petits beauty bags, les sacs que j'ai rangés ici dedans quand je vais voyager ou quand je veux me déplacer, que je veux un petit sac pour ranger mon maquillage et tout. Voilà. Là, je crois que ce sont les... Voilà, c'est maintenant plus beau, plus clair, plus rangé. Tout ce qui est câbles, différents types de chargeurs. Voilà, c'est ça, j'ai bien rangé là-dedans. Et ici, associé, genre, un box secret. Voilà, c'est tout. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, comment est-ce que j'ai désencombré, j'ai refait bureau/beauty room. Donnez-moi un thumbs up, un pouce bleu, je serais très très contente. Abonnez-vous si vous êtes nouveau par là, qu'on n'avait pas encore cliqué sur le bouton s'abonner quelque part là. Activez aussi la cloche de notification. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. D'ici à la prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous. Bye bye.